Sa bipolarité, Charlotte Carugatti ne vit pas avec depuis longtemps, elle vit avec depuis toujours. Toute petite, elle a peur de la mort, de l'abandon, elle est prise en charge dès 3 ans en pédopsychiatrie. En dépression sévère et chronique, elle sera de nombreuses fois déscolarisée. L'errance jusqu'au bon diagnostic va durer 25 ans. Comment on peut passer à côté? Je pense que c'est parce que personne ne veut se mouiller, personne ne veut prendre de responsabilités. Pourtant, selon son expression, elle cochait toutes les cases et il y avait moyen de s'en apercevoir. On dit voilà, je suis triste, je ne comprends pas, j'ai envie de me suicider, ou je ne fais rien le matin, je dors beaucoup la journée, je ne mange pas ce qu'il faudrait. Et là, c'est là qu'on devrait nous faire passer les tests. Donc c'est des tests qui sont internationaux hein, pour cocher t'es ci ou t'es ça. Après, on rentre dans des cases. Il faut supporter d'être dans une case. Hein. Hospitalisation sous contrainte, juge des libertés, curatelle, Charlotte a tout connu. Aujourd'hui, elle est stabilisée grâce aux médicaments. Moi, ça me sauve la vie que ça soit un peu temporisé, parce que sinon, je serais tout le temps super fatiguée de devoir tout le temps gérer toutes mes émotions. Mais la seule prise en charge médicale ne suffit pas. Heureusement, dans cette association, Charlotte a trouvé une équipe assurant un accompagnement psychologique et social qui lui a beaucoup servi. À briser l'isolement déjà, à sortir de chez soi, à rencontrer d'autres personnes qui ont la même chose que nous, à être compris par des professionnels qui connaissent le handicap psy, et puis à se mettre en route et à être actif en fait de notre stabilisation, de notre rétablissement. Ici, psychologue, art thérapeute ou conseiller économique participe à la construction du projet personnalisé de chaque bénéficiaire sans jamais rien lui imposer. Donner la parole à la personne et de dire qu'elle est maître de sa vie et qu'elle a ce pouvoir d'agir, eh ben ça fait aussi un peu la différence, je pense. La bipolarité, c'est une maladie dont on ne guérit pas, mais avec laquelle on peut essayer de vivre le mieux. Et quand nous, on y arrive, c'est vrai qu'on apprécie qu'autour de nous, on nous laisse notre place aussi avec toute notre personnalité et pas que notre maladie. Charlotte va bien au point d'être devenue père aidante en santé mentale. Et si elle ne se pense pas pour autant définitivement à l'abri, elle se permet aujourd'hui de faire des projets.